Nous pourrions peut-être parler des thèmes d'un balcon en forêt, en particulier du lieu. Le lieu, c'est un livre qui est proche de la réalité. Bien entendu, des romans que j'ai écrits, au fond, ils vont un peu deux par deux. Il y en a qui sont plus irréels. Ce sera le château d'Argol et le rivage des Sirtes, dont le lieu est insituable et même l'époque historique. Et deux qui sont beaucoup plus près du réel, qui seraient le beau ténébreux et le balcon en forêt, où il y a un lieu, une époque, une date. Là, c'est pas dans un hôtel en Bretagne, enfin de nos jours, et le balcon en forêt, c'est la guerre de 39-40. Bien entendu, le lieu, il est facile à reconnaître, il est à la fois facile et difficile à reconnaître, parce que même pour un livre qui est, disons, proche de la réalité, ce qui est le cas, je ne peux pas utiliser des lieux réels absolument reconnaissables. J'ai l'impression que dès qu'il y a fiction, il faut que tous les éléments de cette fiction soient décollés, au moins imperceptiblement, de la réalité. Et c'est une chose qui s'est produite, elle se produit aussi dans la presqu'île, où les noms sont, enfin, les lieux sont facilement reconnaissables pour les gens qui connaissent, mais les noms sont changés. En fait, il y a une espèce de flou qui s'est introduit volontairement. C'est le cas aussi pour le lieu du balcon en forêt. Le lieu, c'est l'Ardenne française. C'est une région qui se trouve entre Monthermé, Revin et un petit village qui s'appelle Les Hauts-Butés. C'est là. Voilà pour le lieu du balcon en forêt. Maintenant, le lieu, c'est aussi la maison forte. Alors là, c'est encore un cas où on peut voir l'origine d'un livre, l'origine qui n'est jamais un personnage pour moi. Il est certain qu'il y avait à l'origine de ce livre l'envie de parler de la guerre, qui était un climat, surtout la guerre, enfin la fausse guerre, celle qui va de septembre 39 à mai 40, avant que les opérations ne s'engagent. C'est un climat tout à fait particulier qui m'a beaucoup frappé. Et j'ai certainement eu, dès le début, l'intention de parler, mais il fallait une certaine décantation. Là, j'ai écrit le livre, donc 15 ans, à peu près, après la guerre. C'était le recul nécessaire, hein, qu'il fallait prendre pour en parler sans être trop le nez sur l'événement. Et alors, cette idée ne s'était pas fixée, si vous voulez, elle restait flottante, et elle a pris forme quand j'ai entendu parler de ces maisons fortes. Ces maisons fortes étaient des fortins camouflés. La base était un blocos avec une mitrailleuse et un antichar. Et au-dessus, il y avait une fausse maison de campagne qui servait de logement. Le balcon en forêt, c'était... J'ai eu du mal à trouver ce titre. Mais il devait représenter à la fois ce sentiment de loisir. Enfin, les gens qui sont au balcon sont des gens qui attendent, comme ça. Et puis, c'était aussi un endroit d'où on voit venir quelque chose. Pas on se met, d'où on voit venir quelque chose. Il y a une perspective devant par où arriveront les chars. Qu'on regarde quand même. Et puis, il y avait aussi, matériellement, cette maison qui était construite en encorbellement sur le blocos, si vous voulez. C'était un titre qui est assez expressif et qui représentait assez bien, si vous voulez, par quoi ce sujet accrochait. Ah oui. C'était la coexistence de la fausse et de la vraie guerre, ça, intimement mêlée. C'est ce qui donnait ce climat tellement extraordinaire, que, évidemment, vous n'avez pas connu, mais qui était très particulier. Le sentiment d'une vie normale qui continuait, mais qui pendait au bout, c'était comme une espèce de cataracte. Au bout, il y avait une espèce de chute dans le vide, prévisible, et dont on ne pouvait absolument rien imaginer, mais qu'on pressentait très bien. Comment s'implique alors le personnage ? Oh, ce qui frappe le personnage, c'est qu'il est spectateur, évidemment. Oui. C'est un spectateur, il n'est pas très engagé dans cette affaire. Au fond, ce livre est écrit, là encore, il y a le besoin de prendre un recul, si vous voulez, par rapport aux événements. Quand on écrit un livre, il y a un problème. J'ai parlé du problème du sujet, mais il y a un problème tout de suite qui se pose et qu'on résout presque instinctivement, c'est le problème de la personne qui va écrire le livre. Est-ce que ce sera le « je », la première personne, ou est-ce que ce sera le « il » ? C'est un problème capital, très important, dont on ne s'occupe pas beaucoup, mais qui entraîne des quantités de choses et qu'on résout forcément un peu à l'aveuglette. Et très souvent, il m'arrive de le résoudre à contresens de ce qui serait normal. C'est-à-dire que quand un livre comme « Le balcon en forêt », où j'ai tout de même mis beaucoup de souvenirs personnels, enfin, et qui me concernent assez directement. Le point de vue du personnage central est un peu le mien. Il devrait être écrit à la première personne, mais il est écrit à la troisième.
alors que, au contraire, dans Le Roi Cophetua, qui est une chose totalement imaginaire, c'est écrit à la première personne, ce qui est très invraisemblable. Je crois qu'il y a, un besoin ici de fausser les perspectives, enfin, le seul même qui existait pour les, noms de lieux. En tout cas, je constate que je résous cette question souvent à l'inverse de ce qui serait logique, parce que je suis plus à l'aise comme ça. Mais le personnage est évidemment assez proche, d'une certaine façon, de moi. Bien que je n'ai pas vécu du tout la guerre dans cet endroit, et pas du tout dans les mêmes conditions, j'ai utilisé beaucoup de souvenirs de la guerre, c'est bien évident. Et quel est le statut de l'attente ? Les personnages attendent dans, beaucoup de mes livres, bien sûr, c'est une chose qu'on a dite souvent, oui, c'est une situation imaginaire dans laquelle je me place ma préférence. C'est pourquoi cette fausse guerre correspondait tellement, évidemment, à cette situation imaginaire. La réalité coïncidait avec la situation imaginaire. C'est pourquoi c'était pour moi tellement frappant. Il est bien évident, par exemple, si on compare le balcon en forêt au rivage des Sirtes, qui ont un peu le même sujet. C'est un peu le même sujet, au fond, mais l'un traité de façon très irréelle, si vous voulez, ou beaucoup plus loin de la réalité, et l'autre beaucoup plus proche des faits historiques. Dans l'un, le personnage, dans le balcon forêt, le personnage est très passif, c'est-à-dire qu'il attend, il ne peut pas faire autrement, il fait partie de l'immense ensemble qui est purement passif et qui attend que la guerre se déclenche. Tandis que dans le rivage des Sirtes, c'est lui qui déclenche. L'attente existe dans les deux livres, mais je disais dans le balcon forêt, elle est passive. Elle est passive, je crois me souvenir qu'un critique avait eu à l'époque une assez bonne formule à propos de ce livre. Il disait, je crois que c'est Gaëtan Picon qui est mort d'ailleurs récemment, il disait que dans le balcon en forêt, il s'agit d'un bonheur menacé, et dans le rivage des Sirtes, il s'agit plutôt d'un bonheur à trouver dans la menace, c'est-à-dire que le personnage conjure lui-même les orages, pas qui vont mener la guerre, c'est levez-vous vite, orage désiré. Dans le rivage des Sirtes, il déclenche la catastrophe qui était en train de somnoler depuis longtemps. Dans le balcon en forêt, en fait, il aimerait beaucoup mieux se mettre à l'abri des orages historiques, mais il ne peut pas pratiquement. Il trouve une espèce de repos précaire, comme ça, qui est le bonheur, c'est la forme de bonheur qui existe dans le livre, mais c'est condamné d'avance, pratiquement. Mon attitude est tout à fait différente, active et pas de doute dans le rivage des Sirtes, passive au contraire dans le balcon en forêt. L'attente n'a pas du tout le même caractère. Et alors, il y a justement, de ce fait, dans le balcon en forêt, c'est beaucoup plus sensible, il me semble, une tentative d'intégration, si vous voulez, à une collectivité. C'est un livre où il se forme une espèce de collectivité de hasard, mais quand même réelle, avec les hommes qui habitent la maison forte, précisément. C'est une espèce d'abri, si vous voulez, contre la catastrophe qui vient, comme ça. Et l'attitude est une attitude plutôt de protection contre ce qui arrive et de refus, en fait, de la catastrophe, alors qu'elle en est plutôt le désir dans le rivage des Sirtes. Oui, Grange se met à l'abri, mais s'expose en aimant Mona. Oui, en fait, c'est un épisode, c'est une saison. Enfin, c'est pas un amour déracinant, si vous voulez. C'est quelque chose qui naît du moment, de la saison aussi, de ce répit menacé d'une saison et d'un lieu, comme ça, isolé, et qui se termine assez presque naturellement dans le livre, enfin, à partir du moment où la catastrophe va intervenir. C'est un épisode très important, mais enfin, c'est un épisode qui n'est pas central, si vous voulez, dans le livre. Où, en fait, pratiquement, tout ce qui commande, ce sont des éléments. Éléments géographiques et surtout éléments historiques. Et puis l'écoulement du temps qui rejette ce qui ne peut pas s'incorporer à lui. C'est-à-dire qu'un amour n'est pas possible dans cette chose dont la durée est mesurée. Et tout le monde est d'accord là-dessus, au fond. Oui. Il me semblait que l'amour de Grange et de Mona était plus animal, je veux dire moins littéraire que dans les précédents livres. Oui, il est assez animal, pas de doute. Le personnage est une sorte de sauvageonne, une petite sorcière de la forêt, oui, bien sûr, très instinctive. Elle est très instinctive, elle n'est pas du tout intellectuelle, c'est sûr. Ah, c'est peut-être le personnage féminin qui a le plus de, si vous voulez, d'existence concrète, en effet. C'est possible. Là, il est probable que la silhouette du personnage se dégage mieux.